Voici connecté sur la fréquence un duo rôliste. Bienvenue. Retrouvez un joueur et un maître du jeu. Que demander de plus pour vivre des aventures ? Aujourd'hui, nous nous lançons dans une nouvelle saison grâce au studio Agathe et le monde Deanna pour Donjons et Dragons 5ème édition. Rejoignez-nous et venez découvrir la Cité Franche, un des joyaux de ce monde. Mais des tourments l'assaillent et un simple apprenti magicien, même pas éveillé à la magie, va se retrouver et contribuer sans s'en douter au plus grand chamboulement depuis la naissance du dieu Tamerak. Nous retrouvons Arthur, dit le Fossoyeur, quelques mois après avoir acquis, lors d'une vente aux enchères, de prometteuses gemmes d'agate. En parallèle, dans le quartier Cyrillane, les tensions augmentent. Est-ce que cela ouvrira sur de nouvelles aventures ? Quelques mois se sont écoulés. C'est l'automne qui démarre, un peu dédié à la déesse de la nuit. On commence à arriver à cette période-là où, effectivement, la période un peu plus sombre de l'année, on sait qu'après les froids vont arriver, on vient juste de passer les récoltes, donc on est passé normalement d'une période qui était un peu plus festive, qui aurait dû être un peu plus festive, à une période qui va être un peu plus contrainte, surtout parce que pour les réfugiés de Cyrillane, il y en a de plus en plus qui sont arrivés, il y a eu des quotas maintenant, donc c'est une période qui est un peu difficile, et toi, par rapport au quartier dans lequel tu travailles à Cyrillane, on reviendra sur ce sujet-là, mais ça crée des tensions en fait. Donc les quelques mois qui se sont écoulés, c'est ce qu'on va, on va un peu traiter ça par rapport à quelques lancers de dés et tout, pour savoir la vie que tu as menée pendant ce temps-là. Et aussi, on va aussi regarder comment ça s'est passé quand tu as ramené les pierres et un peu cet entre-deux avant de démarrer la séance. Ok, question d'abord. Est-ce qu'on fête Halloween à la Cité Franche ? Jour des morts. Ouais, c'est mon jour à moi, c'est comme si c'était ma fête. Après tout, je suis un fossoyeur, quoi. Ouais, on peut imaginer qu'il y a, à un moment donné, dans un des quartiers, puisqu'il y a la nécropole, ça, il y a une cérémonie qui pourrait s'assimiler à la fête des morts, tout à fait. Là, on n'y est pas encore à celle-là. Là, on vient juste de rentrer dans la période, on va dire, automnale. Mais oui, on pourrait largement envisager d'avoir une fête des morts. Super. Bon, dans ce cas-là, on va dire que je fais même partie du membre du comité des fêtes, de la fête des morts. Non que je sois particulièrement joyeux, qu'Arthur, le fossoyeur, soit particulièrement joyeux. C'est juste qu'il aime ça. Il aime ça, la célébration de la mort. Et peut-être qu'il se dit que, même s'il n'a pas du tout envie, ça se trouve, il y aura des vrais morts qui vont venir, des morts vivants. Ce qui serait toujours bon à étudier. Tout à fait, je le note. Pour les auditeurs, le prochain scénario sera l'attaque des morts vivants lors d'Halloween. C'est ça. C'est ça, tout à fait. On lance le teaser. Mais avant d'arriver à cette période-là, on va d'abord faire le bilan de la dernière session. Quand tu as ramené, donc tu as réussi à avoir la vente aux enchères malgré les péripéties, donc tu as pu ramener les biens de la vente à ton professeur. Donc il était tard, donc t'es plutôt d'abord couché, et puis le lendemain, tu as été lui ramener ce qu'il avait, les fonds transférés dans ses achats de pierres précieuses, et notamment les agates. La seule chose que tu avais gardé, c'était la gemme de Flore. Parce que Cave était intéressé, c'est ça ? Voilà, Cave était intéressé. Et tu as gardé ce que tu as trouvé, entre guillemets, ou les récompenses, donc un anneau que tu as pris sur Sim, et puis ce qui était l'équivalent de 200 pièces d'or d'objets. Donc en fait, ce que tu as eu pour l'anneau, tu as pu travailler dessus pour l'identifier, et ça tombe bien, en fait, c'était un anneau d'identification. Donc ça permet, une fois par jour,
Il faut un repos long, ça permet de faire de lancer un sort d'identification. Ouhou! Ça c'est top. Et l'objet qui t'a été qui ouais, l'équivalent des 200 pièces d'or qui t'ont été remises en fait. Tu participais à des ventes aux enchères autour de biens précieux et tout ça. Donc les récompenses étaient plutôt dans cette orientation. Et ce que tu as eu, ce sont des gemmes jumelles d'alarme. Ce sont deux petites pierres rouges, couleur rubis. Et elles contiennent un sort d'alarme. Donc il y a la première pierre qui, quand tu l'actives par le mot de puissance, permet de définir une zone d'un rayon de 1,50 m à 6 m, dans lequel toute intrusion, sauf si lors de l'activation tu donnes des droits, fait un signal entre guillemets sur la deuxième gemme pour dire qu'il y a un truc qui passe quoi. Donc ça c'est ce que tu as eu. Cool. Ça c'est très cool. Donc ça t'a pris un peu de temps pour l'identifier entre guillemets quoi, enfin un peu de temps, t'as fait dans les journées, dans les quelques jours qui ont suivi quoi. Quand tu as ramené donc à l'académie à ton professeur les gemmes, bon, hormis le fait qu'il était très content que tout a pu être fait et que tout se passe bien, vous avez rangé les pierres et tout ça, il en a profité pour te les, par rapport à certains rituels ou autres, à regarder avec toi, tu les as touchés, tu les as eu entre tes mains, tu as senti effectivement que ces pierres peuvent être utilisées pour alimenter, focaliser de la magie ou autre. T'as senti qu'il y avait comme en toi peut-être un peu de frisson, d'électricité ou autre, mais ça n'a rien déclenché. Enfin, en tout cas, tu restes toujours dans ton état dormant. Donc il faudra travailler un peu plus. Donc ça, c'était l'immédiat après la soirée. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu aurais fait? Non, mais maintenant que je sais que j'ai un objet magique, peut-être que si je l'utilise tous les jours, ça peut peut-être provoquer l'éveil. Mmh. Ce que je pense, c'est que je vais plutôt essayer de dorénavant systématiquement d'activer les. Ben, j'imagine que l'anneau d'identification, il faut avoir quelque chose à identifier, sinon ça sert pas à grand-chose. Donc ce serait plus d'avoir les gemmes, activer les gemmes tous les jours. Pas parce que je suis parano, mais plus parce que ça me permet d'avoir cette exposition à la magie. Éventuellement, si ça pouvait activer l'éveil en moi. Et donc, pour l'instant, au tout début, tant que j'ai toujours la gemme de Flore, peut-être que je vais mettre la gemme d'alarme avec la gemme de Flore. Comme ça, elle est gardée en permanence. Et je garde l'autre gemme sur moi, pour faire simple. Ou dans mon lit, ou quelque chose comme ça, à côté de moi, histoire que je sois alerté s'il se passe quelque chose. Pour éviter de me la faire piquer. Mmh. Et je pense que je dois passer pas mal de temps avec ces objets-là, parce que c'est la première fois que le Fossoyeur a accès à des objets magiques, pour voir si ça déclenche quelque chose. Très bien. Est-ce que l'identification, ça ne marche que pour les objets magiques, comme le sortilège d'identification, ou est-ce que ça peut marcher sur n'importe quel type de choses que je ne connais pas? Ça marche, entre guillemets, sur n'importe quel type de choses qui contiennent de la magie, donc ça peut servir pour identifier un objet magique, ça peut servir pour identifier une personne qui serait soumise à différents sorts, et ça peut aussi servir pour identifier un sort qui est actif. Si quelqu'un est en train de lancer un sort ou autre, tu peux... Donc ce que je pourrais faire, c'est que par rapport à mon métier de médecin légiste, systématiquement essayer de déterminer si en fait la cause de la mort est magique. Mmh. Ah ben voilà, ça c'est une bonne utilisation de l'anneau quotidienne. Du coup, parce que ça permet en fait de donner plus d'informations à la milice, si c'est la milice qui m'amène le corps, et éventuellement de détecter des activités du chancre qui sont liées avec des gens qui se sont fait tuer. Du chancre. Du chancre, oui. J'ai entendu le cancre. De cancre, non. C'est moi le cancre, je peux pas lancer de sortilège. Non, le chancre. Donc ça, c'était la première partie. En gros, c'était ton travail, ton secteur, comment tu gérais cette entre deux. Et maintenant, on va se retrouver... un dernier élément. Les tensions dans le quartier syrien ont augmenté depuis ces 3 derniers mois, suite à l'arrivée de plus importante de réfugiés. Ces réfugiés ont été accueillis aussi en partie par le quartier des Sœurs, et même maintenant, on en trouve qui sont sur ce qu'on appelle le Bourbier,
Tu connaissais le quartier Assouaf qui n'était pas très rose, et le Bourbier, c'est pire encore. Et c'est une zone en fait sur la Dispende, le fleuve, qui est une lagune de terre où vraiment les plus pauvres, les déchets, c'est là où sont mis. Donc c'est la situation est assez tendue, c'est pas très agréable, ça donne du travail donc aux médecins légistes. Parce qu'il y a beaucoup de Il y a combats? Ou c'est parce que les gens meurent de maladies, de faim, de famine ou quelque chose comme ça? Donc principalement, c'est plutôt les mauvais états des voyages, des réfugiés et ces situations très dégradées de vie. Il y a quand même pas mal, enfin il y a pas mal, il y a aussi pas mal de morts liées à des règles, pas des règlements de cause, mais des batailles qui tournent mal, et quand on n'est pas très en forme et des choses comme ça, ben ça devient tout de suite plus grave. Donc c'est assez tendu, et la ville, pour essayer de contenir cette situation, a mis la garde d'Hérin aux portes du quartier, qui était un quartier qui n'a que deux points d'entrée, un grand escalier qui descend en quartier inférieur, ou le pont qui va sur les terrasses. Donc maintenant, pour accéder au quartier Cirilane, il y a un contrôle. Il n'y a pas de laissez-passer ou quoi que ce soit, hein. Tout le monde est libre de ça, mais il y a une présence plus forte de la garde d'Hérin, donc l'élite, aux portes du quartier. Et la vigente, donc le guet, au sein du quartier, est un peu débordé par toutes ces activités-là. Ce qui fait aussi qu'il y a une montée des prix de la nourriture, ce qui n'était pas attendu parce qu'il y avait les récoltes, tout le monde était plutôt serein et ça, et au final, il n'y a pas tant de nourriture que ça qui arrive comme il faut dans le quartier. Donc l'ambiance est vraiment pas très sereine, et tu fais partie des chanceux qui circulent facilement entre ce quartier-là et puis ta résidence qui est à l'académie. Donc tu notes, ça c'est à la fois une chance parce que tu dors plus sereinement et t'es mieux aussi, mais aussi tu vois la différence de situation de ce quartier-là comparé aux autres que tu croises. C'est très différent, quoi. Et un autre élément les autres éléments de contexte avant de démarrer, il y a eu une tentative d'assassinat sur une députée qui a été beaucoup commentée, donc Althea Temperanza, justement parce que enfin, la tentative d'assassinat a eu lieu lorsqu'elle était venue voir les réfugiés de Cyrilal. Donc c'est les réfugiés qui l'ont attaqué ou c'est une tentative d'assassinat parce qu'elle a essayé de se mettre du côté des réfugiés? Pour toi et pour votre communauté, c'est clairement, elle a été l'assassinat, elle a visé à elle parce qu'elle essaye de défendre les droits des réfugiés et d'essayer d'apporter une vie avec plus de liberté. Donc c'est ça qui a été pour lequel elle a été. On a attenté à sa vie, et c'est ses gardes du corps qui sont morts, et elle a pu être évacuée. Et elle aussi, elle est Mais Cyrilane? voilà. Non, pas du tout. Par contre, c'est la personnalité la plus en vue de la Cité Franche, parce qu'elle a été. Donc les députés, ils sont tirés au sort. Il y a une centaine de députés qui sont tirés au sort tous les 6 ans. Et en fait, elle a tellement été plébiscitée après son premier tirage au sort, qu'elle a été réélue pour son deuxième mandat, ce qui est exceptionnel puisque normalement c'est un tirage au sort. Et en fait, sa principale force et sa principale faiblesse, c'est le fait qu'elle défende beaucoup les libertés, le respect, l'égalité, et enfin, toutes ces valeurs humanitaires, humanistes, pardon, même si elle fait des actes humanitaires, ces valeurs humanistes. Et c'est ce qui en fait une force, qui fait que le peuple, ou beaucoup de gens au niveau de la cité franche l'aiment, mais que les grandes classes, les puissances et les conglomérats désapprouvent. Et l'autre information aussi, pendant les 3 mois, tu l'as entendu au niveau de l'académie, c'est qu'il y a pas mal d'apprentis magiciens qui ont disparu ou qui ne sont pas rentrés des congés, en tout cas. À la fin de l'automne, il y avait un break, et pas mal d'étudiants ne sont pas revenus, et d'autres ont s'étonner, ils étaient là, puis on l'a pas vu, ils sont disparus. Donc il y a des. Voilà, ça c'est les événements principaux qui ont été commentés, on va dire, dans l'actualité de la ville. Le second me fera un peu plus paranoïaque quand même, parce que si les étudiants de mon école disparaissent alors qu'ils sont à l'école, je me demande quand même si je vais être visé aussi. Donc ça me rend un peu plus paranoïaque sur. Alors personne n'a évoqué de kidnapping dans le lieu de l'académie. C'est juste des étudiants de l'académie qui ont disparu ou qui ne sont pas revenus de leur congé, là où ils étaient partis.
Pour l'instant, en tout cas, actuellement, sur le site de l'académie, il n'y a pas de crime recensé. Et j'ai pas eu de corps d'étudiant trouvé lors de. Alors qui m'a été ramené dans le cadre de ma profession, quoi. Non. En tout cas, pas dans le quartier Cyril, non, ça c'est sûr. Et dans le quartier de l'académie, tu n'y travailles pas, donc. Non, non, ça fait du sens. Mais peut-être que j'ai une petite réputation et que du coup, j'ai des consultations qui sont faites en dehors de mon quartier de travail, non? Bah, t'es médecin légiste. Ouais, mais médecin légiste d'un quartier qui serait appelé dans un autre quartier. En tout cas, s'il y a quelque chose pour lequel tu aurais pu être consulté, ça n'a pas été le cas pour l'instant. Non, Peut-être que ça ok. viendra, mais en tout cas, pour l'instant, t'as pas été. Non, effectivement, t'as pas eu d'autre chose. Bon, il faut que je Tout travaille sur mon pierre, en fait. Il faut que je te fasse de la pub. fait. Exactement, oui, tout à fait. T'es beaucoup investi dans ce que pour avancer, mais effectivement, peut-être pas assez pour. Peut-être qu'il faudrait que je me fasse faire des cartes de visite, des parchemins des parchemins de visite. Là, ce que je trouve, c'est qu'on passe à la suite. Nous avons fait le point sur les 3 mois passés, entre la fin de la vente aux enchères, la situation dans le quartier Cyrilan qui est un peu plus tendue, et nous nous trouvons actuellement en plein cours à l'académie, et tu es en présence de votre émérite professeur Guérin Hugen, dit le vénérable, Est-ce que c'est le style le doyen qui radote, mais qu'on peut pas éviter? C'est un cours obligatoire ou un truc comme ça? C'est ça, c'est un cours obligatoire, ce n'est pas le doyen, mais c'est bien un qui radote. D'accord. Un gnome, comme tu peux l'imaginer, avec une longue barbe blanche, par contre très entretenu, avec ses cheveux blancs aussi, tout qui se met en pointe pour faire avec ses oreilles pointues et en pointe, des grands gestes, passionné par son sujet. Vous trouvez qu'il radote, pour lui, c'est parce que vous êtes des têtes vides qui ne retenez jamais les leçons. Et donc là, il est vraiment dans son discours. Comment commencer à parler d'histoire avant l'histoire? Car l'histoire est faite d'écrits, et nous n'avons pas de chronique de l'ère des voyageurs, seulement des légendes, nous provenant déformées des survivants du cataclysme. Les îles éoliennes avaient été propulsées dans les cieux, et les portails athéaques ensevelis. Les anciens maîtres du monde n'étaient plus. Quelle était la situation de la Cité Franche à l'époque? Nous en sommes réduits à des conjectures qui deviennent surtout des spéculations, basé sur des rêves ou des souhaits. Il y a des légendes que notre cité franche en dessous aurait un athèque, mais on a aussi l'histoire légendaire d'Adala, la Tiefling, qui décrit la présence de ce portail dans une autre partie de notre région. Bref, si je vous introduis tout ça, c'est que vous écoutez beaucoup les récits des aubergistes, de ces bardes qui répandent des rumeurs et qui leur amènent surtout des clients. Mais aujourd'hui, chères étudiantes et étudiants, nous avons le plaisir d'accueillir, et donc là tu vois dans une sorte un peu théâtrale à sa façon, il fait rentrer un élagnon magnifique, tout à fait rempli de prestance, Oh. l'élagnon étant une sorte d'elfe, très richement vêtu, qui s'approche de la barre, si je peux dire, De l'estrade, c'est pas la barre, c'est une de estrade. l'estrade. Bah, ce que j'imagine, c'est qu'il est devant son promontoire, il a une sorte de petit bureau, il a toutes ses feuilles et tout ça, quoi. Pupitre, une sorte de pupitre de, tu sais, les Ouais, une pupitres autour pupitre, voilà, de. c'est exactement le terme que je cherchais, c'était pupitre, c'est ça. Donc, cet élagnon, vraiment magistral, n'importe qui dans la salle est captivé par sa présence, son aura qui se dégage de lui, ses vêtements chics, par contre tenue d'aventurier. Enfin, on voit que c'est d'une voyage très pratique, mais vraiment fine, un visage parfaitement délicat, des traits nets, une très belle chevelure avec quelques bijoux accrochés aux cheveux, à ses oreilles. Vous reconnaissez tous Mirai Leyen, un des plus grands explorateurs de ce monde. Et ce qu'il décrit, donc qu'il remercie le professeur de l'accueillir lors de son passage. Et il se tourne vers vous. Effectivement, chères étudiantes et étudiants, si je suis ici à la demande de votre professeur, c'est pour faire part d'une de mes aventures, car il n'est rien d'autre de plus vrai que l'investigation. Vous devez aller, au fil de vos questionnements, vous devez aller voir.
Et c'est la somme de tous nos récits à tous quand nous revenons avec des faits que nous pouvons connaître l'histoire et mieux agir. Et j'ai décidé juste de vous donner un court exemple de mon passage dans le Khan, où mon guide m'avait conduit dans la steppe jusque sur les terres du clan Chouraga, dirigé par la farouche Saïkan. Au bout de 2 jours d'une harassante chevauchée dans la steppe, nos bêtes commençaient à devenir nerveuses. Nous nous dirigions vers le sommet d'une montagne d'où nous aurions une vue sur la région. À l'aube, Shaikan me guida vers le sommet. Devant moi s'étendait ce pays maudit dont les anciens carrefours étaient marqués par les tumulus de guerriers tombés durant les conquêtes interminables du tyran. Je voyais les fleuves éphémères qui se formaient. Elle me décrivit les réprouvés qui hantaient les souterrains, les spectres qui parcourent cette terre. Et nos chevaux ne voulaient pas aller plus loin, bien sûr. À cette vue, j'ai compris par moi-même ce que d'autres m'auraient dit de ne pas faire, de ne pas aller sur place. Trop de dangers, trop de risques, mais j'y étais. Je pouvais voir, physiquement voir ce désastre et ce que la population et les hommes et femmes s'étaient sacrifiés pour que Tamerak accéda à son statut divin. À moins qu'il ne les sacrifia. Dans tous les cas, d'avoir été sur place, j'ai compris que ce n'était pas la peine d'aller plus loin, et je suis rentré pour écrire de nouvelles aventures et aller répondre à d'autres de mes questions. Donc tu vois qu'il a parlé d'une façon bien mieux que la mienne. Vous étiez tous, sauf si tu veux y résister, mais captivés par son récit. Vous avez, dans la façon des mots, vous êtes retrouvés au milieu de ces terres de Khan, où justement, pour tout le peuple des Hanas, les dieux, c'est les dieux, mais nuit et tempête, donc Tamerak, sont des divinités récentes dans le sens où sont pour tout le monde des êtres humains qui sont devenus des dieux. Et donc vous avez visualisé ces scènes qu'il vous a dépeintes, les sensations qu'il a ressenties, et le fait que d'avoir été lui-même sur place et de ne pas avoir juste écouté les récits, ça a vraiment pesé dans sa décision sur la suite et sur ce qu'il pouvait raconter. Donc vous étiez bien complètement captivé par tout. Donc le cours se finit. Est-ce qu'on peut lui poser des questions? Bien sûr. Allez, faisons une petite séance questions-réponses, donc il fait son truc. Après, oui, allez-y, questions. Moi, j'ai une question, je lève le bras. Ouais, on va dire que tu peux en poser qu'une, parce que tout le monde est hyper motivé et tout, donc pose ta question. Ah, ok. Un peu de stress, je peux en poser qu'une. Magistère, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez assisté à un tel spectacle? Cher étudiant, ce spectacle, j'y assistais il y a déjà quelques temps, pas juste maintenant. Il y a beaucoup de questions qui restent sur notre monde et de beaucoup de peuples à aller soi-même voir. Mais en tout cas, ma prochaine destination, j'hésite entre deux, j'avoue. Je me laisserai porter très au sud de notre monde ou bien très au nord. Vous voyez, les opposés, c'est toujours être intéressant de les rencontrer. Donc j'irai bien en Arolavie ou alors peut-être plus dans le Mimbou. Je ne sais encore. Mais restez attentifs, vous surveillerez mes écrits qui rapporteront ce que j'aurai vu. Et vous-même, n'hésitez pas à entreprendre ce tel voyage. J'imagine qu'ensuite, il y a quelqu'un qui lui posait une autre question. Ouais. Après, ça enchaîne, on passe à d'autres et tout. Et voilà. Très désolé. Donc le cours se désemplit, tout le monde s'en va. Et toi, tu reçois un petit message de... du système habituel, des fois des étudiants ou autres, que ton professeur te demande à son office, si on peut dire. Tu sais, comme tu sais, les... Comment on appelle ça? Des... Les haut-parleurs, tu sais, sur les murs, qui fait « Étudiant, Arthur le Fossoyeur, rendez-vous au bureau du professeur !» Donc on va dire qu'ils ont un moyen de communication dans l'académie, effectivement, donc t'as un mot pour aller voir le professeur Severus à son... On s'entend que c'est une école de magie, donc j'imagine qu'il doit avoir, tu sais, des bouches qui parlent. D'ailleurs, on n'a pas parlé de cette école de magie. Prenons 3 minutes pour parler de l'école de magie. Oui. Est-ce que cette école de magie, c'est une école magique? Ah, bon, pas forcément à la Harry Potter, mais avec beaucoup de présence, des objets animés qui parlent, des gargouilles qui bougent, des trucs... Et j'imagine des lumières perpétuelles magiques, des trucs qui flottent, des papiers qui volent, tu sais, des messages qui volent tout seuls, tu sais.
Ok, je décris un peu Harry Potter. Mais plus, tu sais, avec énormément de magie intégrée dans la bâtisse et dans le fonctionnement. Dans le quotidien, quoi. Ouais, dans le quotidien. Ou est-ce que c'est plutôt un truc super sobre où, en fait, on apprend la magie comme on apprend les maths? Moi, je ferais bien un truc entre les deux parce que il n'y aurait pas ce côté exubérant d'avoir tout qui bouge dans tous les sens, les tableaux, les machins, les trucs. Par contre, par exemple, le système, effectivement, de petits mots qui arrivent, qui se déplacent, ou tu reçois un message dans ta tête, en fait, qui... Vous êtes convié au bureau de Professeur Severus, qui est de la magie, que lors des cours, ben, il y a des biens de la magie qui soient exécutés. Je verrais bien C'est un truc entre les deux, des quoi. projecteurs, mais c'est des trucs magiques, en fait. C'est des images, Ouais. des illusions qui représentent des lieux, des objets, des machins. On fait vraiment des sorts et des choses comme ça, quoi. Ouais. Donc je verrais un truc entre les deux, quoi. Pas aussi exubérant qu'Harry Potter, mais. Ok, cool. Donc, en fait, je reçois un message C'est magique. pour ça que la magie, c'est un truc qui est courant, hein. C'est un métier, tout le monde, voilà, c'est pas un truc qui Mais je est croyais qu'en caché, fait, et voilà. la magie, ça marchait que pour les éveillés et qu'il n'y avait pas beaucoup d'éveillés par rapport à la population. Bon, c'est vrai, c'est peut-être ton interprétation. Pour Ok, moi, je d'accord. dirais juste que y a des éveillés, des dormants. Après, est-ce qu'il y a beaucoup d'éveillés par rapport aux dormants? Je m'étais pas posé la question. Moi, j'ai envie que ce soit un monde un peu, en tout cas, dans cette zone-là, et l'académie, tout ça, c'est suivant les secteurs du monde, il y aura des endroits où il y aura plus ou moins facilement de la magie. Là, au niveau de l'académie et le fait qu'il y a le quartier des éoliennes avec toute la magie derrière, et d'autres raisons, je pense que c'est un lieu où il y a pas mal de magie. Donc pour moi, en tout cas, au cœur de l'académie, il y a plus d'éveillés que de dormants. Ah oui, mais non, mais on s'entend. Voilà. Peut-être, et même probablement que la cuisinière, elle a plus de magie que moi, mais. Mais ok, donc je comprends. Ok, donc il y a quand même des Donc aspects magiques. Donc, j'imaginerais comme ça, ouais. du coup, c'est plutôt une sorte de message magique qui me dit qu'il faut que j'aille. Ouais, ça me paraît une bonne idée, un message magique, ouais. Style, j'ouvre mon cahier, et sur mon cahier, il y a un truc qui s'écrit automatiquement où il y a écrit rendez-vous dans le bureau du professeur Severus. Ouais. Tu sais, des lignes qui Ou apparaissent ou un truc comme ça, quoi. la voix qui te parle, je trouve que c'est pas mal la voix qui te parle, parce qu'il y a des trucs de communication à distance, ça se fait, c'est un truc des sorts connus, Sortilège entre de guillemets, message. donc voilà, ouais. Donc on va dire que c'est Ok. ça. Donc Donc, je. comme tout élève très studieux, je me rends au bureau du professeur Severus, qui est mon professeur principal, c'est ça? Celui qui m'apprend la nécromancie, si je me trompe pas. Oui, tout à fait, ouais. Ok. Ton professeur référent. Ouais. Donc, quand tu le retrouves à son bureau, bah, tel qu'il est habituel, Comment je l'appelle? quand Est-ce tu que je suis la l'appelle professeur? thématique, Est-ce que je l'appelle maître? Est-ce que je l'appelle magister? Est-ce que je peux choisir? tu peux choisir, par contre, tu donnes un titre respectueux. Oui, non, mais j'allais pas l'appeler trop Ce que je duc. veux dire, c'est qu'il est un peu. Il est pas hautain, mais il est un peu froid. Il est impliqué dans son travail. Mais toujours très à rappeler toujours les règles de sécurité. Surtout avec l'histoire du chancre, la présence du chancre, quelque chose comme ça, que la corruption peut arriver par la mort et tout, donc ne pas aller trop loin. Donc il est assez prudent, protecteur, et c'est vrai qu'il a ce côté un peu froid aussi pour peut-être voilà. D'accord. Mais il est pas hautain, ni méprisant, ni rabaissant les personnes ou autre quoi. Je pense que je vais appeler systématiquement les professeurs magistères. Déjà, j'aime bien le mot. Et ça démontre un aspect de respect. Et il y a le mot magie dedans, donc ça, c'est assez facile. Donc magistère. Ok, très Donc bien. magister Severus. Donc quand tu arrives, puisque tu étais accueilli, il lève la tête de son office. Ah, très bien Arthur, merci d'être venu. Cette nouvelle session démarre et a permis de partager quelques éléments du monde d'Eanna et de la Cité Franche. Pour la suite de l'aventure, retrouvez-nous très prochainement, abonnez-vous pour être notifié et suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site web unduorolliste.net. N'hésitez pas à partager vos commentaires et encore merci. Bon jeu !